Ah merde, j'ai fait une connerie. Pardon, c'est mon premier jour. Donc je reviens pas demain. Non. Je suis viré ? T'es viré. Dame la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est parti, je travaille à McDo. Je précise juste avant que la vidéo commence, cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est juste moi, Thibaut InShape, qui vais tester les métiers qu'on peut trouver chez McDo. Et on fera pareil plus tard chez KFC, Burger King, etc. Pas de jaloux. Vous savez tous que moi je mange bien, plutôt équilibré, mais qu'un petit McDo de temps en temps, pour le petit cheat meal, ça fait toujours plaisir. Dans cette vidéo, je vais donc travailler comme un équipier chez McDo. Servir au drive, faire des frites, des burgers, réussir à faire un Big Mac et tous les autres métiers qu'on peut trouver chez McDo. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, c'est parti, direction McDo. Ça fait très très longtemps que je suis pas allé au McDo. Yo. Salut Thibaut. Ça va Lise ou quoi? Bienvenue. Donc, allez, première étape. Oui. La tenue et un masque. Un masque obligatoire. Un masque obligatoire. Ça c'est des crocs ça? Ouais. C'est des surchaussures qui vont te permettre de ne pas glisser, que tu mets par dessus tes chaussures. Bon bah je vais me changer et on se voit après. Allez. C'est parti, let's go. Donc c'est parti, on va rentrer dans les vestiaires, c'est là? Ouais, c'est là. Allez. Je sais même pas qu'il y avait des vestiaires dans un McDo, c'est trop drôle. Faut bien se changer. Bien sûr, exactement, pas devant les clients. Allez, je mets ça et on se voit après. Bisous bisous. C'est parti. Est-ce qu'on est pas un petit peu beau là? T'as pas la casquette hein? Et non, y a pas de casquette. Et c'est fini la casquette? Ouais. Ah, moi je veux la casquette, trouvez-moi une casquette. Okay. Regarde. Pas de poche. Comme ça, pas de téléphone. Mais ouais, je vais faire pareil dans ma boîte moi aussi. Tony, pareil au boulot. Ça fait bizarre. Dédicace à tous les étudiants qui vont voir la vidéo qui bossent chez McDo. Là, je suis comme vous. Let's go. Du coup, Elise, c'est bon. On a le petit masque, ouais. La tenue. Donc, t'es équipé. Première étape, qu'est-ce que je vais faire donc, de première bon Première étape, quand tu arrives, tu regardes où t'es positionné. Là, c'est le plan du McDo. Là. C'est le plan du McDo, le plan des cuisines, okay. Du comptoir, frites, du drive. Vas-y. Oh, il y a un petit cœur à côté de bienvenue, ouais, Thibault. Bah oui, parce que. Oh, merci beaucoup. Quelqu'un qui est formé cuisine peut très bien être le lendemain aux frites ou au drive. C'est pas moi qui dis, je vais être responsable Big Mac. Non, t'as le droit de poser la question. Ok. Là, aujourd'hui, on t'a mis où? Voilà, tu vas être au Big Mac. Du coup, qu'est-ce qui se passe là? On commence, on pointe, t'as une carte à ton prénom, tu la passes devant l'écran. Et ça, les gens, ils le font tous les matins? Tous les matins, tous les soirs. Ah, pour être sûr qu'ils respectent bien les horaires. Ou en tout cas, s'ils restent plus longtemps, okay. Ils sont payés aussi. D'accord, ah, ça c'est bien ça. Une fois que t'as passé ta carte, tu vas voir la pointeuse te dira bonjour. La machine, elle dit bonjour? Bonjour. Oh, il y a une photo aussi. Elle fait semblant. Ah d'accord, ok. Ok, donc prochaine étape, qu'est-ce que c'est ça? Un filet pour les cheveux. Des poils dans les Big Mac, c'est pas top. Non, ça, normalement top. Ça n'arrive pas. Voilà, nickel, c'est on est beau là. Et t'as après un tablier. Ouais, j'imagine comme c'est un restaurant, j'imagine qu'il faut montrer l'exemple quoi. Et ça c'est pareil dans tous les fast-foods, tu penses? Oui, oui. D'accord, très bien. Attends. Ouais, alors attends. Non, mais Thibaut il a du mal chaque fois. Ok. Avec les... Ok. Et après 30 secondes de lavage de main. 30 secondes? Genre 30 c'est chronométré. On se lave les mains. Jusqu'à ce que le voyant devienne vert. D'accord, il faut que ça devienne vert ouais, là. Ça voudrait... voilà, ah, ok, ça c'est fait bon. 30 secondes. Et du coup, le lavage de main, c'est combien de fois par jour hein? Au moins toutes les 30 minutes. Ah ouais? Et autant que nécessaire. C'est-à-dire que si tu touches les cheveux, le nez, tu ramasses quelque chose par terre. Okay. Si tu touches une balayette, tu dois aller te laver les mains. Au moins quelque part, ça rassure, ok. Toujours une poubelle à pédale. Et on jette. Nickel. Voilà. Les Big Mac, les Big Mac. Pierre, c'est parti, on va faire un petit Big Mac ensemble. Première étape pour faire un Big Mac, qu'est-ce que c'est? Du coup, faut que tu prennes le pain qui se trouve dans cette panière-là. Donc voilà. Je prends le pain. Donc le Big Mac, en fait, il est divisé en trois parties. C'est ah ça, oui, il y a trois morceaux. Ouais, c'est ça. Je le toaste. Ouais, comme ça, dans ce sens. Prends le centre, tu le mets ici. Voilà, dans l'autre sens. Comme ça. Voilà, comme ça. Et le talon comme ça. Voilà, parfait. Là, ça toaste là. Prochaine étape. Tu peux récupérer le Big Mac. Tu prends la boîte. Ouais, c'est ça. Et tu la poses du coup ici, la plus grande partie vers la gauche. Ensuite, tu peux prendre ton pain. Donc ça, c'est toasté. La partie centrale, tu la mets sur la couronne. Comme ça. Voilà, ok. Et celle-là, tu la mets par-dessus en la retournant. Comme ça. Et tu la poses dans la partie gauche de l'emballage. Et du coup, Elise, c'est quoi ça? C'est pas l'antivomitif, on pas disait? Pas du tout, c'est une bulle d'air. Arrêtons avec les fausses rumeurs. Ok. C'est une bulle d'air qui se forme au niveau de la production. Et en fait, sur tous vos sandwichs, vous retrouverez cette marque. Alors ensuite, tu peux la poser dans la partie gauche de l'emballage. Et le talon, du coup, qui est au-dessus, tu la mets dans la partie droite. Comme ça. Voilà, parfait. La sauce. Donc tu vois la sauce Big Mac. Donc c'est celle-là, la sauce Big Mac. C'est celle avec l'embout rouge. Ah, ok. Putain, ah ouais, incroyable. Ça, c'est stylé. Ok. J'ai fait quoi avec ça? Tu vas mettre une pression de chaque côté. Encore? Ouais, là il y en a pas. Voilà, parfait. Merci. Voilà, nickel. Ok. Je peux remettre le pistolet à sa place. Ce qu'on va faire déjà, c'est on va mettre les oignons rec. J'y vais avec les mains. Donc. Tu en mets un peu sur chaque partie. D'accord, donc les oignons. Tac. Tac. Voilà, parfait. Ok. La salade. Comment je me débrouille pour l'instant? Ça va. Du coup, Elise, on peut se servir avec les doigts comme ça? On peut servir avec les doigts parce qu'on s'est lavé les mains et on se lave les mains autant de fois que nécessaire. D'accord. Souvent, on nous dit, mais pourquoi vous n'avez pas de gants? Parce que c'est beaucoup plus sale de travailler avec des gants. Okay. On se lave moins les mains. D'accord. Si on a des gants, on a l'impression d'avoir toujours les mains propres. Alors que là, on se lave les mains tout le temps. Et niveau bracelet, c'est bon? Alors, aucun bijou n'est toléré en cuisine. Les bracelets Team Shape, c'est bon? Non, c'est mort normalement. Pas de bracelet, okay. Juste les alliances. D'accord. Pas okay. De montre, pas de boucle d'oreille, pas de collier. Ok, ah oui. Sécurité okay. Alimentaire. Dites-moi dans les commentaires quel est votre fast-food préféré? McDo, Burger King, KFC, Domino's Pizza.
pizza, Pizza Hut, ça existe encore ça? Dites-moi vos préférés en commentaire. Prochaine étape alors, qu'est-ce qu'on fait là? On va servir du coup un cornichon, tu vas en prendre deux. Trois parce qu'on est gentil? Non, deux c'est deux. Ah ok, deux c'est deux. On la met sur les tout sur la partie gauche. Que à gauche. Et là on va prendre une tranche de cheddar. Donc là je prends du cheddar. Ouais. Ok. Et tu la mets sur la partie droite. Ici là. Voilà, c'est ça. Pour faire un Big Mac c'est toujours pareil en fait. La même technique en fait. Ok. Ensuite. Allez, là du coup on va mettre les protéines. Ah les protéines. Qu'est-ce qu'on a de bon comme protéines? Alors du coup on a les viandes. Là tu peux tirer. Ah stylé. Et là tu vas prendre deux viandes. Voilà. Ok. Et ensuite? Et tu vas en passer une de chaque côté du coup. Ici. Voilà. Et là, est-ce qu'on peut essayer d'en rajouter plus? Non, non, c'est deux. Les règles, c'est les règles. Voilà. On est pas là pour rigoler, hein, attention. Sinon, ton Big Mac n'a pas le même goût. Tu vas prendre le pain ouais. Et le burger et la faire passer sur l'autre partie. Et là, je peux toucher avec les mains quand même ou pas pour m'aider? La viande, non. Attends, attends, ok. Voilà, nickel. Ok, et là, je fais comme ça. Voilà, nickel. Ok, là, je transpire et tout là. Tout simplement, en fait, tu refermes la boîte. La boîte, dans ce sens-là. Et il n'y a pas de tomate là? Thibaut, il n'y a jamais de tomate dans un Big Mac? Ah ouais? Non. Ah, je savais plus, ok, d'accord. Ok, regardez les gens. Wow. Ça, ce serait pas validé parce que la viande dépasse. Ah merde. Notez mon Big Mac dans les commentaires. Pour une fois, il est pas trop comme sur la pub là. Donc c'est parti, maintenant, on va l'envoyer avec les équipes qui sont devant. Alors ce petit passage qui est là. Et voilà. Il n'y a plus qu'à préparer pour la commande. Du coup Max, on fait les frites, là c'est un congélateur. C'est ça. Et du coup, comment on fait pour servir les frites? On ouvre le congélateur? Non, vraiment pas, t'as juste appuyé sur la panière. Vas-y. Et après t'as ta portion de frites. Trop bien, je peux essayer? Allez, y a pas de soucis. Et voilà. Ah ouais. Voilà. Et ensuite qu'est-ce qu'on fait alors? On prend la panière et on va les plonger dans les cubes qui sont juste là. Là-dedans? Ouais, donc ça c'est une cube qui est réservée aux potatoes. Et après toutes les autres cubes c'est que pour les frites. Donc après tu prends ta panière et tu la tailles sur le côté. D'accord, combien de temps les frites pour les cuire? C'est à peu près 3 minutes. Ok, nickel. Et là pourquoi ça sonne Max? Pour agiter la panière pour pas que les frites elles collent entre elles. D'accord. Voilà. Pour cuire les frites c'est 3 minutes. 3, 2, 1... Ok, donc là c'est prêt, je goûte comme ça là? Ouais, quand tu veux les goûter comme ça. Tu mets une dose de sel. Je retourne? Ouais. Ok. C'est bon? Ouais. Même le sel c'est calculé. C'est ça. Tu mélanges comme ça là? C'est ça, là c'est bon et maintenant tu peux servir la frite. Est-ce que vous avez le droit de manger des petites frites comme ça? Ah non. Ok, donc tu fais comme ça, après tu ouais. Prends ça. Comment je me débrouille là? Ça va nickel. Élise, qu'est-ce que t'en penses là? Un peu trop rempli. Normalement, voilà, là ta frite elle est parfaite. D'accord. On la met ici, c'est maintenu au chaud avec les lumières. Ok, c'est bon pour les frites. Merci Max. Avec plaisir. Beaucoup. Théo, qu'est-ce qu'on fait de beau là? Bah là on va faire un McFlurry. Gobelet McFlurry, gobelet Sunday. Moi mon préféré c'est M&M's caramel. Là c'est la vanille. J'aime bien le vert. Faut juste que tu le mettes en dessous. Allez, vas-y. Oh putain. Ok, alors attends, je vais le faire un peu mieux. Voilà, et tu fais tourner. Ok. Fais tourner là, le poignet. Ok, comme ça? C'est à peu près ça. Vas-y, vas-y, n'hésite pas. Qu'est-ce que t'en penses, Théo, pour l'instant? C'est bien. Pourquoi tu penses pas ce que tu dis? Tu veux que je te montre? Ouais, vas-y. Franchement, c'est vrai que le tien il est quand même plus beau quand même. Hein. Prochaine étape. Ça va être tout ce qui est coulis. Je vais mettre un peu de caramel. Donc là, t'as juste à effectuer une pression. J'en mets beaucoup ou... Vas-y, fais tourner, faut tourner, faut tirer. Ah, ok, ok, ok. C'est bon là. C'est mon mec fleuri à moi, très bien. Ensuite, qu'est-ce que tu veux rajouter ensuite? Des M&M's. On va mettre les M&M's. Ah. Ok. Ah ouais, même la portion des M&M's, elle est calculée du coup. Ouais. Comment on est là? Là, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air plutôt joli. Il te manque quelque chose. Ah. Et comment on le mange? Pas avec les doigts. Et non, pas avec les doigts. Avec la cuillère. Voilà, c'est ça. Alors la cuillère. La cuillère, elle est disposée ici. Donc je prends la cuillère. Voilà, vas-y. Et très important. Attends. On ferme les rebords. Ok, ah oui. Vas-y. Ok. Et l'autre côté. Et là. Bah voilà, c'est propre. Eh ben nickel. Un gros pouce bleu pour le McFlurry. Tiens, Tony, cadeau. Merci. Ok, c'est parti. Ça fait une demi-heure. On se lave les mains. Allez, let's go. Voilà. Le savon. Attends, c'est pas vert. C'est pas vert. Faut attendre que le petit bouton soit vert. Ça, c'est long, 30 secondes. Il faut nettoyer, pas juste rincer, vous voulez. On essuie, tac, tac. Et là, il va être midi, ça va commencer à être le rush. Les gens vont arriver. En plus, on est mercredi après-midi. Ça va être le bordel avec les enfants. Allez, c'est parti. Alors, du coup, Manel, là, on est au drive. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, en fait, t'as deux postes. T'as le premier ici, c'est l'ABS. Donc, c'est là où t'as toutes les boissons qui vont sortir. T'as le frigo ici pour tout ce qui est petit bio à boire, les salades. Ensuite, à ce côté, c'est le passe dérif. Où, par exemple, là-bas, Justine, elle va nous donner une commande. Ah, super. Tu vois, t'as ton écran et t'as tout affiché. Ah, ouais. Ok, là, t'as les commandes qui correspondent à ça. Ouais, c'est ça. Et en gros, ton rôle ici, c'est de vérifier qu'il y ait tout. Ok, ouais, parce que j'imagine que le client, quand on oublie un truc, il est pas content, ouais. On va faire en sorte de rien oublier. Donc c'est parti. Premier truc que tu vérifies, c'est que tu as bien mis les sauces et les serviettes. Ok, là il y a un ketchup, une mayo, une sauce tartare et une creamy deluxe. Parfait. Allez, on envoie donne au monsieur. Alors il faut juste que tu mettes le chaud. Parce que si tu lui donnes que les boissons, je pense qu'il va pas être content. Ah oui, pardon, d'accord, ok, ah oui. Il te manque juste une poche. Pour l'ouvrir, tu la jettes comme ça. Parfait. Ok. Et donc là, c'est prêt à être envoyé. Bonjour. Tenez, bon appétit. N'oublie juste pas la deuxième poche. Mmh. Allez, attendez, monsieur, la deuxième. Il y en a deux. Vous avez gagné au loto. Merci Thibaut, tu gères. Avec plaisir. Trop bien. Et du coup, voilà. Donc tu lui as donné. Tu peux bumper. Tu peux passer à la suivante. Ok, très bien. Nickel. Allez, c'est parti. La commande. Alors. Donc là, t'as que le chaud. Pour un coca. Du coup, je peux prendre une poche. Ok.
tu mets un croisillon dedans. Ouais, sinon ça tombe, ouais. Donc tu peux caler chaque petit coca. Petit coca. Tu vois, t'as deux desserts. Ok, deux yaourts à boire, comme ça. Et du coup, là, t'as fini toutes tes boissons, tu bumps celle-là. Boisson, c'est ok. Ouais. Ok. Donc qu'est-ce qui te manque? Ah oui, des sauces. Donc ok, donc deux frites, deux ketchup et deux mayo. Donc je bump, tac. Bonjour. Hop, tenez, bon appétit, au revoir. Oh bien, allez, prochain atelier. Si la vidéo atteint 100 000 pouces bleus, je passe une journée à Burger King. Et je mange tous les burgers. Et je mange tous les burgers. Ah non, 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 pas tous les burgers, non, non. Pouces bleus. Okay. Du coup, vas-y, tu peux mettre le casque. Là, tu dis bonjour, bienvenue chez McDonald's. Bonjour, bienvenue chez McDonald's. Vous avez la carte de fidélité? Elle a dit non, la madame. Alors, qu'est-ce que vous voulez de bon à manger? Alors, un menu wrap, un iced tea et des potatoes. Et puis un deuxième menu wrap avec de la salade et de l'eau. Du tariquet? Ah, du Perrier, pardon. Je dis qu'on a plus de Perrier, on a que de l'eau pétillante. Ok, on a plus de Perrier, mais on a que de l'eau pétillante. C'est bon pour l'eau pétillante. Un donut et comme sauce, barbecue. C'est bon pour vous? Super, merci à vous. On crash point pour que ça arrive à l'encaissement et pour qu'on puisse l'encaisser. D'accord, ok, super. Bonjour, 8,40€ s'il vous plaît. Donc, j'appuie sur le 20. Tu dois rendre 10€. En espèces. Donc un billet de 20 là. Tu prends 10€. Ouais. Tu prends ta monnaie. C'est trop bien, il n'y a même pas besoin de calculer. Ouais. Voilà monsieur, bonne journée, au revoir. Ouais. Trop bien, comment je me débrouille là? Parfait, nickel. C'est cool. En plus c'est bien, c'est beaucoup plus calme ici là. Du coup t'appuies sur sa commande. Ah. Bonjour, vous allez bien? Salut. Tu regardes des vidéos YouTube? Comment tu t'appelles? Mathéo. Tu fais un coucou à la caméra Mathéo. Alors, c'est un montant de 34,70€ par carte. Sur la CD. Oui. Tenez votre carte, le ticket. Voilà, bon appétit. Au revoir, bonne journée. Au revoir. C'est gentil, merci beaucoup. Trop cool. Mission réussie, bon appétit pour Mathéo et la famille. Du coup Caroline, ici où est-ce qu'on est alors? Alors ici on est dans les stocks. D'accord. Donc c'est vraiment où on va ranger en fait tout ce qui est sec. Ça peut être les emballages, okay, des sauces, des cornichons. Ça y est, ça y a un espace comme ça dans tous les McDo. Oui. Là c'est le coca qui est stocké là. Exactement, à côté t'as la iced tea. Et en fait là c'est tout le système qui va te permettre de le rediriger vers devant. Ah ouais. En fait c'est déjà dosé et c'est fait en sorte pour avoir la bonne quantité du sirop. Attends, c'est du sirop. Ouais. Avec du coup le CO2 et un peu d'eau. D'accord, je pensais pas qu'il y avait autant de mécanique derrière un McDo. C'est ouf. Ah, et du coup donc là on continue dans la partie stock. C'est les boîtes de nuggets là, c'est ça? Bah là on a boîte de neuf, là on a les boîtes de filet. On va avoir des serviettes et ici on va avoir des sauces. Donc ça sera ketchup, okay, mayonnaise, la sauce de luxe. Faut pas prendre les cartons. J'ai ramené un carton pour mon frère je pense. Non je pense pas. Je calcule, je compte. Du coup Caro, est-ce que j'ai une mission là? Aujourd'hui du coup c'était le jour où on réceptionnait. Donc là on t'a laissé quand même deux trois petits cartons. Je prends ça? Ouais. Par contre fais attention à ton dos en portant. Ok. Pas besoin de te le dire. Ouais. Et ça on va le mettre dans le stock. Du ça c'est les capuchons de boisson là, c'est ça? Exactement. Ok allez go. Ça tu le ranges où du coup? Et c'est juste là. Comme ça. Tourne-le dans l'autre sens. Okay. Faut tout faire pour optimiser les plages quand même. Parce qu'on doit avoir pas mal d'éléments donc faut bien ranger. Ok. Allez nickel, on continue. Allez, il y en a encore trois là. Encore? Ok, Émilie, c'est parti pour le service. Oui, ça y est. Alors du coup, Émilie, comment ça se passe? Il y a Théo qui va te donner les poches. Et là tu vas voir le client juste ici. SPS 96, super. Et voilà, bon appétit. Et donc ensuite on a le service à table avec les plateaux. Ah, il y a le plan là du McDo. Exactement, ça te permet de savoir où tu vas. Allez ensuite, c'est 2,97€. Et voilà. Bon appétit. Bon appétit à vous. Bon appétit. Alors ici donc du coup voilà, tu mets en poche. Ok. Là on est sur la commande 159 et la 42. Ok. Thibaut, ça se passe, Thibaut, ça va aller. Ok, boisson, boisson. Voilà, okay, la deuxième. Boisson, boisson. En faisant très attention que tu passes, on est sur la livraison à domicile. Ah ouais, donc ça secoue là. C'est le rush Thibault là? Ah c'est le rush là. Je replie. Ouais, là. Ça c'est pour être sûr que ce soit bien fermé. Bon appétit. Et là si tu veux, tu peux. Bien sûr, en fait c'est dédicace. Et voilà. L'abonné qui voit la commande, envoie-moi une photo si tu vois la vidéo. Et donc là tu peux l'amener directement au livreur. Ah B1E0. Allez, ça marche. Allez, super. Merci. Démarrer. Non. Ah merde, j'ai fait... Attendez, on va te préparer, on va préparer, J'ai fait une connerie, Oh putain. Démarrer. Attends, le pauvre, comment on fait? Non, mais t'inquiète pas, lui, ça c'est quoi sa commande? Elle va arriver. Elle arrive, elle arrive. Pardon, c'est mon premier jour. Ça, ça va où ça? Sur le bord de la fenêtre et vas-y, viens avec toi. Allez, vas-y, poulet. Enfin, c'est le rush. C'est le monsieur là, je pense. Ouais. Et voilà. Bon appétit. Super, c'est préparé avec amour. Bonne journée. Petite photo. Coucou. Et ça envoie en vrai là. CB99. Yes. Bon appétit, chef. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, vidéo, mec. Merci, merci, bonne journée. Bonjour. Coucou, ça va? Tiens, merci. Bon appétit. Merci. Tu connais les vidéos? Oui, j'adore. Oh, c'est trop plaisir, merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Avec plaisir, régalez-vous. Bon, le seul truc, c'est que t'as vous voyez. Ah ouais, c'est vrai que je suis un peu vieux maintenant. T'as 30 ans dans combien de temps? Je sais pas combien McDo ils servent de repas par jour dans le monde, mais c'est, je crois que c'est oufissime. Allez, on passe à la suite, c'est pas fini. Alors du coup, Philippe, il faut nettoyer les plateaux, j'imagine. Comment ça se passe là? On a mis en place une poubelle de tri. Ok, ça va. Donc qui vide sa boisson, donc tout ce qui est carton et tout le reste du plateau. Ça va là-dedans. On tire. Tu prends la poubelle entière ou t'enlèves ça? Ça. Ok. Les poubelles de rechange ici. Donc ok, bah faites comme à la maison quoi. C'est ça. On change, on met un nouveau. Combien de fois par jour vous changez les poubelles dans un McDo? Genre quoi, 2-3 fois par jour à peu près? Même plus parfois. Ah ouais, ok, ouais, d'accord, ouais. Ok. Un peu de plonge maintenant. Ouais. Allez, au boulot. Il y en a pas beaucoup. Des fois, il y a une
de piles comme ça. Ah ouais, c'est vrai. On met tout au lave-vaisselle. La machine à plateau, c'est très simple. On vient les placer un par un. Comme ça. Voilà. Et ok. Et on ferme. Ah ouais, combien de temps pour nettoyer là? 52 secondes. A few moments later. Donc c'est bon, la machine elle s'est éteinte. Du coup on la lève, attention c'est chaud. On les prend à la main. Ok, comme ça. Tac tac tac. Et voilà, nickel. Donc ça chauffe. Ça sèche. Ça c'est quoi ça? C'est le coup de tomate. Putain, elle a une tête. On dirait un truc de torture. C'est de la grille, pourquoi? Pour les frites? Alors ça c'est pour les produits frits. Donc on rince, ok, ensuite? Ensuite on va vouloir brosser. Donc on fait la brosse. Ah ouais, donc c'est à la main quand même la vaisselle, ouais ouais. Déjà que je fais pas la vaisselle à la maison, Juju elle va voir la vidéo. Ça veut dire tu vas faire pareil à la maison. Ensuite on va vouloir nettoyer avec de l'eau sale. Deuxième tour, assez coulant. Et la vaisselle combien de fois par jour? Dès qu'il y a quelque chose qui traîne, on nettoie. Donc la plonge, dès qu'il y a un truc sale on y va. Merci beaucoup en tout cas, merci quoi. À toi. Du coup Elise, comment je me suis débrouillé alors? Bah écoute, t'es hyper motivé. Ok. Mais c'est pas top top, hein. Niveau sandwich, frites. Quand même, t'as encore des choses à apprendre. Donc je reviens pas demain. Non. Je suis viré? T'es viré. Je suis dégoûté. Désolé. Allez, ciao Thibaut. Mange de la prot. Ok, bonne journée. Bon ben, on va continuer les vidéos sur YouTube. À présent la Team Shape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici, une nouvelle vidéo dans 3 jours. Et regardez une autre vidéo YouTube en cliquant là. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. POUF!